Salut tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Techsit. Alors là, vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien, dans l'épisode précédent, on avait commencé à réfléchir un peu sur comment faire une machine pour récolter de l'or automatiquement. Alors je me suis un peu renseigné en off, et en fait ce qu'il va nous falloir, c'est des mechanical pistons, déjà, de la glu. Donc, de la glu, je crois qu'on en a, ouais, on en a. Et par contre, je sais pas s'il nous faut des sticky mechanical pistons ou des normaux. Capiscan move block in front of them, oui, ça. Ok. Ça, d'accord. Il n'y a aucun souci. Can pull the attached block. Ok. Et si je prends de la glu, de plus grandes structures peuvent être déplacées. Du coup, c'est un sticky qu'il nous faut. Les extensions de pôle, je sais comment ils marchent. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Mais ça, on s'en fout en fait. Bon, déjà, il va nous falloir des extenders. C'est les trucs les plus simples à crafter. C'est ce qu'on va faire en premier. On va, voilà, prendre un peu de bois. On va donc mettre une andésite au milieu et deux trucs comme ça. Donc ça, c'est le plus simple. Ça, il faut un extender, une andésite casing, une wooden slab. Donc, on va le faire. L'extender, on l'a. L'andésite casing, on ne l'a pas encore. Et une wooden slab, ça, on en a. Hop. Donc, il faut que je la mette tout nu. Et ensuite, je mets ça. Alors, la machine va peut-être être un peu complexe à faire. Mais on a le temps. On a le temps, on a le temps. Donc, ensuite, ça je mets en dessous. Ça je mets au-dessus. Ça je mets comme. Voilà. Ensuite, il nous faut des slime balls. Est-ce qu'on a des slime balls? Non. Comment on les fait? Je me rappelle plus. Hop. Il y avait un moyen de les crafter. Voilà. Là, il est tough. Est-ce qu'on a encore de la dough? Non. Et comment on la craft ça? With floor water bucket. Ok. Donc, hop. On va aller récolter ça. Et du colorant vert. On en a du colorant vert, je crois. Là. Oui. Ah, on en a que deux. Bon, c'est pas grave, ça suffira. Hop. On va récolter de l'eau. Donc, deux seaux d'eau. Hop, hop. D'ailleurs, je vais vérifier un truc. Si je fais app create mechanical, non, hop, mechanical piston. Ok, je peux directement le faire comme ça. Donc là, je fais ça. Ça me fait de la pâte. Ok. Et là, ensuite, je mélange ça et ça. Et ça me fait des slime balls. Donc, j'en mets une là. Et on a un sticky mechanical piston. Nickel. Très bien, très bien. Alors pourquoi on va utiliser un sticky mechanical piston? Pour une raison très simple. Parce qu'on va essayer de récolter les trois blocs d'un coup. Ce serait formidable. Donc là, tout d'abord, il va me falloir un peu plus de place tout d'abord. Hein. On va essayer de faire un truc un peu propre pour qu'on puisse s'y retrouver. Voilà, donc dans l'idée. Dans l'idée. Tac, tac. On met le truc là. Aïe, 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 oui. On le tourne dans le bon sens, de préférence, c'est mieux. Hop. Non, hop. Hop. Voilà. Là, vous voyez, on peut le transformer en attaque ou en use. Donc là, nous, on va le mettre en mode use. Au-dessus, on met un petit coffre. Voilà. Ici, on va mettre donc notre piston. Qui n'est pas du tout tourné dans le bon sens, encore une fois. Tac, voilà. Donc là, normalement, si on enclenche le piston, si je dis pas de bêtises, ça va juste bouger le truc du bas. Ah, attendez. Dans le sens? Ah, mais je suis con. Il faut mettre des extenders. Ah! Tac.
Voilà. Donc là, par exemple, si je fais ceci, ça marche absolument pas. Si je fais ceci, ça marche. Ah, mais ça veut dire que ça doit tourner dans un sens puis dans l'autre? Ça doit alterner? Attendez, attendez, attendez. Terre. Non, c'est pas ça, c'est. Les petites mains. Comment ça s'appelle, les petites mains? Ça. Déployeur. Déployeur. Zi. Hop. Ouais, ça d'accord. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça aussi. Ah voilà, c'est ça. Alors attendez. Ok, là ça tourne dans un sens. Ok. Et ensuite. Oui, ça je m'en fous. Ça tourne dans l'autre sens. Oh putain, attendez, est-ce que je peux pas le configurer en faisant. Ah! Place on starting position. Oh putain de merde. Comment je fais moi alors pour automatiser tout ça? Bon déjà, on va aller chercher de la glu et on va coller tout ça ensemble. Mais en gros, il va falloir un truc qui tous les certains temps s'inverse. Mais écoutez, on va essayer de trouver la réponse ensemble. On va essayer de comprendre comment on peut faire pour faire fonctionner tout ça. Là. Ok, alors là déjà essayons. Essayons de faire comme ça. Est-ce que ça a marché? Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Si je fais genre ça. Hop. Tac. Tac. Pourquoi ça n'a rien mis dans le coffre? Je comprends pas. Là, là, voilà, va récolter le truc. Pourquoi ça se met pas dans le coffre? Alors attendez. Ah. Hop, voilà. Whenever deployer is moved at part an animated contraption. Ouais. Là, il place des fleurs. Mais là, je veux qu'il récolte des choses. Usine 1, ouais, d'accord, ok. Le slot de filtre, ok. Ça, d'accord. Mais ça, c'est pour placer. Moi, je veux pas placer. Moi, je veux prendre. Si je fais. Si je prends mon truc là. Bon, déjà, je vais récupérer ce qu'il y a dans la main, vu que visiblement ça n'a pas marché. Si je fais ça, mode attaque. Et que je fais. Ça. Non, bon, ça mine. Donc ça va pas. Et ça met le buisson dedans. C'est mal au crâne. Ah oui, parce que. Ah! Quand on fait une fois clic gauche, en fait, bah ça récolte aussi. Mais seulement là, il va le miner jusqu'à ce que. Oh! Ouais. Donc là, on est face à deux problèmes. Un, le truc ne va pas stocker du tout les objets qu'il récolte. Il les garde juste dans la main. Donc ça veut dire qu'on peut récolter qu'un stack de pépites à la fois. Et ça, c'est pas ce que je veux.
Moi, je veux qu'il en récolte à l'infini. Donc là, en gros, si je fais ça, ouais, là, il récolte bien les choses. Ah mince, je l'ai remis. Quel con! J'ai oublié de le remettre en mode normal. Oh non, il a miné tout. Bon, c'est pas grave, ça va repousser. Hop, je fais ça. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Donc, faut que je récolte, ouais, à la main. Donc ça, c'est très con. On va manger un petit coup parce qu'on s'affame à force de tourner la manivelle comme ça. Ok. Donc, premier problème, donc, faut que ça change de sens. Si je fais, je tape. Non. Il n'y a pas moyen de dire t'inverse. Speedomètre, stressomètre. Oh là 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 là. Turntable. Je sais pas quel objet faut utiliser. Ah, gear shift. Non. Gear shift, si je dis pas de bêtises, c'est. Gear shift to roller rotation in straight line. Hein? Ah si, c'est ça qu'il nous faut alors. Et il faut qu'on fasse une cloque. Enfin, une horloge qui l'inverse régulièrement. Ok, donc il nous faut un gear shift. Donc déjà, pour résoudre ce problème, il nous faut un gear shift. On va faire ça déjà. On va commencer en faisant ça. Vu que ça, c'est relativement simple à faire. Donc, il me faut un truc comme ça. Il me faut un rouage. Un peu de bois, en fait, tout simplement. On va prendre ça aussi. Hop. Un rouage, clac, ça c'est super. Ensuite, on fait, non, on fait pas ça comme ça. On fait ça, on fait tac, on fait tac et on fait tac. Ok. Hop. Donc là, on a de quoi crafter un gear shift. Non, il nous faut une redstone. Hop, voilà. Donc là, normalement, hein? Ça sert à quoi ça? Power chain gear shift, puis avec la chain drives, ok, ouais. D'accord. Une power de speed transmit to other chain drive, and the row is doubled. D'accord. Non, ça je m'en fous en fait. Nous, il nous faut juste un gear shift standard. Donc, ok. Donc là, normalement, notre premier problème est facilement solvable. En revanche, le second. Qui dit que bah ça va pas dans le coffre, c'est assez chiant. Est-ce que si je prends des hoppers, et que je descends et que je fais ceci, je fais ça, tactique. Est-ce que ça reste dans la main? J'ai l'impression que ça reste dans la main. Hein. Ouais, ça va pas du tout dans les hoppers. Et ça va toujours pas dans le coffre. Comment faire ça? Comment faire ça? Comment faire ça? Ah, attendez, j'ai une idée! Si on fait un trou. On va faire une table de craft. On va mettre là. On va faire un autre coffre. Et au bout, je mets un coffre. Comme ça. Et du coup, je rajoute un piston extender. Plac. Voilà. Donc là, par exemple, il y en a un truc comme ça. Et là, ça va faire clac, 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 clac. Est-ce que ça met dans le coffre? Allô? Ah mais ça peut pas ouvrir un coffre. Hop. Bon, là du coup, c'est dedans, ouais. Ok, donc on renclenche dans l'autre sens. Ok. Si je retourne.
Ça ne marche absolument pas, hein. Je pense que qu'on l'a bien vu. Je commence à sécher un peu. Ça fait clic droit. C'est ce pourquoi c'est fait. Faire clic droit. Ou peut-être que c'est une question de position du coffre. Si par exemple on met un coffre en bas et qu'on... Faudrait que ça repousse aussi pour que je vois si ça marche. Bah attendez, non, si je fais ça. Voilà. Et là, j'enclenche. Faut que je vire ce truc-là, du coup, j'en ai pas besoin. Ouais, ça se met pas en dessous, hein. Ce serait trop simple. Ou attendez! Si je vire ça. Ici, je mets un coffre. Et ici, je mets ça. Ça marche! Ok. Nickel. Donc là, je fais ça. Et donc là, quand ça passe. Donc là, on en a 9. On fait passer le truc. Ça ajoute bien nos trucs. Ok. Ok. Donc maintenant, il faut faire tourner ce truc automatiquement et que ça s'alterne automatiquement aussi. Donc il va nous falloir un peu de place. Ah, je suis content, j'ai trouvé un moyen de résoudre le problème. Alors, c'est peut-être pas le moyen le plus optimisé. C'est même clairement pas le moyen le plus optimisé, je pense. Mais au moins je l'ai trouvé tout seul, sans aller voir de tuto ni rien. Et il marche. Il marche. Et ça, c'est le plus important. Donc, ça, un gear shift qu'on va mettre comme ceci. Et ensuite, il faut un rouage. Oula. Tac, comme ça, voilà. Un rouage comme ça. On va placer donc ici. Faudra qu'on fasse une cloque. Enfin, une horloge. Hop. Ah bah non, du coup, il me faut un grand rouage, pas un petit. Donc, il faut que je remette une couche de bois. Hop. Ok. Ensuite, ici, on va mettre une roue à aubes. Tac, tac. On fait ça. Ça nous fait une roue à aubes. Nickel. Qu'on va placer ici. On fait un trou pour qu'elle puisse bien tourner. Et ensuite, on va se faire une jolie petite horloge. Donc là, elle peut tourner dans n'importe quel sens. On s'en fout. De toute façon, ça s'alternera. Il faut que j'aille chercher de l'eau. Et il faut que je fasse un autre grand rouage. Tac. Tac. Ok. Donc il me faut de l'eau et il me faut de la redstone. Faut que je fasse des repeaters en fait, je crois. Ouais, il va falloir des repeaters. De la stone lisse, heureusement, j'en ai plein. Donc ça, c'est pas un souci. Quoi, tu dégages? Je veux plus te voir. Maintenant, je vais récolter ça parce que je peux le transformer en cuir. Ok. Donc il me faut de la stone lisse, de la redstone, piston extender. Non, je n'ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. La colle, j'en ai plus besoin. Faut que je fasse un levier. Il faut que je peux pas aller me coucher parce qu'il y a un zombie. Faut ça. Mettons. Je sais pas combien de répéteurs je dois faire. Hop. J'en ai pas en réserve. Non, j'en ai pas en réserve. J'en ai jamais crafté. Il me faut plus de bâtons aussi. Hop, je peux en faire plus avec ça. Hop. Voilà.
Bon, toi, tu m'emmerdes, dégage. On va faire 6 répéteurs, je pense. 6 répéteurs, ça me paraît pas trop mal. Donc, il me faut 12 torches de redstone. Je pense honnêtement que le moyen que je suis en train de faire, c'est pas du tout le meilleur moyen pour faire ça. Cependant, bon, ça a marché. Bon, si ça marche, c'est essentiel. Hop. Donc, quand je vous parlais de cloque, une cloque, donc c'est une horloge. Si vous ne savez, vous y connaissez pas en redstone, c'est un élément assez basique en fait, qui permet de décompter du temps, tout simplement. Comme son nom l'indique, cloque, horloge, voilà. Là, ça tourne pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que on va donc faire notre petite cloque ici. Il nous faut de la redstone. On va faire dépasser par là. Et là, on va faire notre cloque. Donc il nous faut un peu plus d'espace. Hop, je vais vous montrer, c'est très très simple de faire une cloque. Hop. Hop. Donc, ici, notre horloge, tous les certains temps, donc, devra s'allumer, puis c'est... Ah! Voilà. Puis s'éteindre, donc, disais-je. Donc, on va faire 3 répéteurs dans un sens, 3 répéteurs dans l'autre. Vous pouvez mettre autant de répéteurs que vous voulez. Plus il y en a, plus votre cloque sera longue. Je les règle au maximum en faisant des clics droits. Je fais ça. Je relis. Et je suis con. Parce que ici, ça va pas marcher. Donc on va faire comme ça. Voilà. Là ensuite, pour que je veux que ça, pour que ça marche, je fais clac. Voilà. Et tous les certains temps. Ah. Il va nous falloir beaucoup plus de répéteurs. Genre vraiment beaucoup plus de répéteurs. Bon, c'est pas grave. Prenons les torches. Hop. Ouais, il va nous falloir vraiment beaucoup plus de répéteurs. Voilà qui est emmerdant. Je suis sûr, en fait, il y a un moyen qui doit être beaucoup plus simple de faire une cloque. Mais je ne l'ai pas en tête. Je connais pas bien. Je suis pas un expert en redstone du tout. Ouais. Et du coup, il y a peut-être des moyens de faire des cloques plus simples. Ou même avec les mods, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, nous, on va brute force. On va faire plein de répéteurs. Tant pis. Hop. Ah, je fais de la merde. Hop. Ah, oh, come on. Je sais pas pourquoi je peux pas péter les torches avec ma drill. Enfin, ça doit être programmé comme ça, tout simplement, mais... Bon, alors, comment on va s'organiser? On va faire... Hop. Tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc il me faut encore 5 répéteurs. Ça suffira jamais. Ça suffira vraiment jamais. Donc, 1, 2. Là, on fait un alternateur. Tac. Ça fasse une boucle aussi. Donc là, si je fais... Bah non, ça va pas marcher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 7 répéteurs. Donc il me faut 14 torches de redstone. Hop. Hop. Sauf 1. 14. Voilà. Voilà. Ah. Tac.
Donc ça, on met au milieu, on met ça, on fait ça, on récolte et hop. C'est vraiment pas optimisé, mais c'est pas grave. Voilà. Là. Il y a une redstone ici, une redstone ici, une redstone ici. Et une redstone là. J'utilise un béton. Je fais. Je suis très con, j'ai oublié de ralentir tout. Va tout mettre à fond. Ah, c'est bon, on a tout mis. Ok. Clac. Et là, en fait, ouais, pour activer, on va faire plus simple. On va faire une torche de redstone. Parce que les boutons, ça reste enclenché longtemps. Alors que je vais faire. Clac, clac. Ah, ouais, non. Qu'en fait, faut que ça reste activé longtemps. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc on va reprendre un bouton. Il est où le bouton? Ah bah il est là, je suis con. Ah ouais, mais en fait le signal il est trop court là. C'est pour ça que c'est trop lent. Donc ce qu'on va faire, faut que ça prenne environ la moitié de la boucle. Hop. Vas-y. Arrête-toi. Tac. Donc, on va charger la moitié de la redstone et l'autre moitié sans redstone. Donc là, c'est trop lent. Faudrait que ça tourne beaucoup plus vite. Hein. Bon, écoutez, ce système de clock, il n'est pas au point. Faudra que je regarde sur internet comment faire une horloge plus efficace. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais inverser. Ce truc là. Voilà, comme ça pourra au moins récolter un peu. Normalement, ça devrait récolter en boucle. Ah bah non. Ah, bon, bah, je sais vraiment pas. Je suis désolé. Mais ouais, on essaiera de faire une cloque qui marche. On essaiera de faire un truc un peu mieux que ça. Dans l'idée, en fait, mon idée peut marcher, je pense. Mais c'est clairement pas une très bonne idée. Je l'ai utilisée parce que c'est la seule que je connais un peu. Mais c'est pas une bonne idée du tout. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire plus simple pour que ça s'alterne régulièrement sans trop de soucis. Ah, mais attendez, je sais. On fait un autre déployeur comme ça, qui est alimenté en permanence. On met un levier et le déployeur va cliquer de temps en temps sur le levier. Et on met une roue. Et on met un speedomètre, comme ça on peut contrôler la vitesse et on le met très lentement. On fera ça plus tard. parce que là on arrive à la fin de cet épisode. On a un peu avancé quand même. Bon, je sais que c'était toujours sur le même truc, mais, mais on a un peu avancé. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va essayer de terminer cette machine pour faire de l'or. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quel, pour une nouvelle vidéo, quel enfer. Salut.